Dominique Ouattara, première dame de la République. On y va, les gars. Après le mec. Thank you.
Mesdames, Messieurs, Excellences, nous sommes en direct sur la RTI première chaîne pour célébrer Abidjan Ville Lumière, décembre 2013. Hello. Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Monsieur le président de l'UVIC-OSI, Monsieur le maire du plateau, Mesdames, Messieurs les maires, Monsieur le PDG du groupe SUNU, sponsor officiel de cette cérémonie, Messieurs les chefs traditionnels, chers invités, Mesdames, Messieurs, jeudi 19 décembre 2013, dans quelques heures, Abidjan va se parer de sa plus belle robe lumineuse pour donner le ton de la période des fêtes de fin d'année. Madame la Première Dame, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers invités, avec votre permission, nous allons observer une minute de silence en mémoire des victimes de la tragédie de la Saint-Sylvestre. Je vous remercie. On peut se lever. Merci beaucoup. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin d'esprit de solidarité, d'unité et de partage. Tout le sens des fêtes de fin d'année. Avec votre permission, Madame la Première Dame, nous allons encore une fois nous lever et à l'unisson vivre l'hymne national de Côte d'Ivoire exécuté par l'harmonie du district d'Abidjan, accompagné par Afrique Tempo. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci à l'harmonie du district accompagnée par Afrique Tempo. La cérémonie se passera certainement sous de beaux auspices, mais pour cela, nous invitons le chef du village d'Anoumabo, le chef Gangan Nicodème, pour la libation d'usage. Ola Nyanga, nous prions. Oh, allez, allez, le Nyanga, mon saint, comme le Péo. A Dominique Avouchi, salé, en tout cas, mais le con, et bang, gourmeté,
eba galomo lori abro nya meken enken juka melokon apijan apijan borome borome te lonsin mambe a di gouvernement ki lo sale lo ba lo bato aye fiboy lo bato atin bato aye fiboy une intenche l'autre à la salle Ouattara, même bien Dominique Ouattara, salé à Manchelo, même en Gentabou, l'ouangou, à Yusif à côté, et Mimbre, à l'Anka Papa, à Yate, à Embreu, à Yabrecon, et les tempos, on les dit, c'est mort. Bidjan Mrakoma, on broma, on chasse, à l'île, à Tegon, et les tempos, ça y a yé filo conquin, le baron, mais qu'il y a filo, mais elle va tout le coup, mais bon, l'un des noms, lui qui ont salé. On m'a tiré à l'île comme main. Là, il moussoué. Là, il n'y a pas. On prend le combrin. Le yé bien, j'ai quoi les apports. C'est que c'est goto. Au chasse l'opinion. Tout le coron, mais le con. Et les pecs bons, les petits, les pétas. On est. Aïe boite. On est. J'ai quoi les. Le dénon de même brin. On y m'a comment. On m'a. Le. On m'a noyé. Le point de l'é. On n'a maintenant. On est non. On n'a mangé. Donc le yeux bien, il dit quoi les apports. Dominique Ouattara dit le temia. Même avec j'aime maintenant engagé pas comment. Mais qu'à la zone Ouattara maintenant engagé pas comment. Mambé a dit le sachet au acheter le bain, acheter le sato. Mais engagé pas comment. Mais pas on est comme rien. Ça dit pas comme là, mais il est comme là qu'on engagé pas comment. Au bien dit quoi les c'est le pas comme rien. Le bien ça. Comme Jésus-Christ de Romain. Amen. Amen. Nous disons en substance que l'événement malheureux qui s'est produit l'année dernière ne se reproduise plus. Et que la Côte d'Ivoire soit en paix. Et nous disions que nos mânes viennent écarter tout ce qui est lugubre de cette cérémonie et que la lumière soit. Pour que, vivant dans la lumière, nous soyons dans la paix. Nous avons prié pour le président de la République, pour son épouse qui parraine cette cérémonie, pour le gouverneur du district d'Abidjan et toute sa suite et toutes les personnes de ce pays pour que notre Côte d'Ivoire vive effectivement en paix et que cette cérémonie se passe dans la paix et dans la joie avec la lumière. Voilà ce que nous avons dit. Merci beaucoup, chef Gangon Nicodème, chef du village d'Anoumabo, que je vous demande d'applaudir. Pour ces bénédictions. Je rappelle que nous sommes en direct sur l'esplanade du district de l'hôtel de ville d'Abidjan et que dans quelques instants, dans quelques minutes, voire Abidjan ville lumière resplendira. Pour rester et pour donner le la de cette ambiance qui se veut néanmoins festive, un groupe, et non des moindres, ce sont Afrique Tempo, un nouvel album avec pour titre phare Le Temps pour la paix, accompagné de l'orchestre du district d'Abidjan que je vous demande, Madame la Première Dame, Excellences, Mesdames, Messieurs, de savourer maintenant. Afrique Tempo.
Afrique Tempo, une troupe de référence pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Je rappelle que c'est extrait de ce single, Le Temps pour la paix, qu'ils ont décidé d'offrir à Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Je vous demande encore une fois d'acclamer cette troupe pleine de passion et d'espoir. Merci beaucoup. Merci Afrique Tempo, la photo d'usage. Madame la première dame, vous faites des jalouses et des jaloux. Hein. Tout le monde dit, et nous. Bon, ce sera pour la fin, ce sera pour tout à l'heure. Ah ben bon, oui, le protocole, j'adore la première dame. On applaudit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Afrique Tempo aura sa photo de fin d'année. Je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes en direct sur l'esplanade de l'hôtel du district d'Abidjan pour vivre dans quelques minutes, voire secondes, Abidjan, ville lumière. La photo de circonstance, Afrique Tempo autour de la première dame, après cette prestation, extrait du single Le Temps pour la paix. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Il administre cette commune avec maestria et de belles perspectives. Nous invitons à ce pupitre monsieur le maire de la commune du Plateau. Nous lui devons ce concept. Il arrive maintenant, monsieur Akossi Benjo, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Excellence, madame la première dame, Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, madame et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le gouverneur du district d'Abidjan, messieurs les représentants des présidents des institutions,
Monsieur le président du groupe Sounou, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, monsieur le président de l'IVICOSI, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs de la presse, messieurs les responsables coutumiers et religieux, mesdames et messieurs, population du plateau d'Abidjan et d'ailleurs. La commune du plateau est honorée d'accueillir la cérémonie de lancement d'Abidjan Ville Lumière et vous souhaite par ma voix la bienvenue. Merci, Excellente Madame la Première Dame, marraine de la dite cérémonie, d'associer cette année encore votre image à l'opération Abidjan Ville Lumière. Votre présence au plateau ce soir, malgré votre calendrier très chargé et votre grande sollicitude pour toutes les actions que vous menez dans le cadre de la Fondation Children of Africa, témoigne de votre affection à l'endroit de la population ivoirienne et notamment en faveur des plus vulnérables que sont les enfants et leurs mères. Nous voudrons vous dire merci et à travers vous remercier le président de la République vu son implication directe dans la renaissance de notre pays et le parcours qu'il entreprend à travers toute notre Côte d'Ivoire de l'intérieur et ce qu'il apporte aux populations témoigne de l'espoir que tous les Ivoiriens ont depuis son accession à la magistrature suprême. Je voudrais à ce stade dire merci à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui est ici à côté de la Première Dame. Merci d'être toujours là, Monsieur le ministre, pour vous engager pour la matérialisation du bien-être de nos populations. Votre présence en tant que tutelle est rassurante et source de motivation. Nous voulons adresser ensuite un salut fraternel à Monsieur le gouverneur du district d'Abidjan, Monsieur Beugré Mambé, pour les actions de promotion et de développement qu'il mène afin de rendre la ville d'Abidjan plus attractive. Merci, Monsieur le gouverneur, de consolider et pérenniser l'opération Abidjan Ville Lumière pour les populations de notre capitale économique. Permettez-moi de dire merci au groupe Sounou, représenté par son président, M. Dion, qui depuis quelques années soutient l'opération. Nous sollicitons la pérennisation de son soutien les prochaines années encore. Facteur de rassemblement, ces lumières magnifiques attirent et réunissent les Ivoiriens de toutes les couches sociales, de tous les partis politiques, de toutes les régions et religions, sans distinction aucune. Et c'est une motivation suffisante pour croire en l'avenir radieux de notre nation. Ainsi, par cette nouvelle fête de la célébration de la lumière, l'occasion est encore donnée de tourner définitivement la page des antagonismes et de s'engager résolument vers la réconciliation vraie et la reconstruction de notre pays. Excellence, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, je voudrais terminer mon propos en exhortant encore à partager cette lumière et à la maintenir en veille. C'est la condition pour que la Côte d'Ivoire se retrouve dans l'union et la prospérité. Vive la lumière pour que vive la paix. Excellente fin d'année 2013 à tous et à toutes. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire de la commune du Plateau. Certains membres du gouvernement ont tenu à accompagner Madame la Première Dame à cette cérémonie et souffrez, Excellences, Mesdames, Messieurs, que je puisse vous les citer. Outre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Ahmed Bakayoko, M. le ministre Cissé Bakongo, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, je demande d'applaudir. Madame Afousiata Bambalamine, ministre de la Communication, je demande d'applaudir.
Madame Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, que je vous demande d'applaudir. Madame Goudou Kofi Raymond, ministre de la Santé, que je vous demande d'applaudir. Monsieur Paul Kofi Kofi, ministre chargé de la Défense auprès du président de la République, je vous demande d'applaudir. Monsieur Gaoussou Touré, ministre des Transports. Et une présence, et non des moindres, celle de madame le député Ami Tungara, député de la commune de Trècheville. Alors, nous allons maintenant vous apporter un peu de sourire. Il est doué en termes d'humour, mais ce qu'il a fait depuis quelques semaines est encore extraordinaire parce qu'il nous a sorti une superbe chanson, Madame la Première Dame, et il y a une réplique qui revient régulièrement dans cette chanson. Il dit tout simplement, c'est Yoro qui a fait le son, c'est Ado qui a fait le pont. Mesdames, messieurs, voici le magnifique. Yes. Applaudissez pour moi, je vais faire photo tout de suite aussi, comme Afrique Tempo. Hein? Vous ne m'applaudissez pas, on ne sait jamais. C'est pas grave. La Côte d'Ivoire est le carrefour de la culture, des affaires. Tout ce qu'on fait en Côte d'Ivoire, les gens nous copient un peu dans la sous-région. N'est-ce pas? Tout ce qu'on fait en Côte d'Ivoire, dans les affaires, dans la culture, les gens nous copient seulement. Exemple, on n'a même pas fini notre palabre, Mali a pris ça dans notre main. Les gens nous copient seulement. Oui, moi je voyage beaucoup, la première dame est là, on sillonne beaucoup, je travaille beaucoup. Tout à l'heure, le chef coutumier l'a dit, Dieu a dit la lumière soit, et elle fut. Merci beaucoup pour la lumière, parce que quelqu'un a eu un désagrément dans le noir hier. Son téléphone était en poche, avec écouteur, iPhone en train d'écouter Arafat, Yorobo, Mamite, Assiette, Cuillère. Ils ont volé le portable, mais file là seulement ça joue. Oh, voleurs de maintenant, maman, ils sont organisés, ils sont trois. Il y a un qui est parti avec le portable et il y a deux qui font acapella dans son oreille. Bassine, cuillère. Jusqu'à il se demande, mais Arafat a changé la partie là quand? Alors ce soir, excusez-moi, oui, je suis devant mon avenir comme ça. La tenue que j'ai portée là, regardez, c'est une tenue qui brille, c'est pour les DJ. Si quelqu'un fume à côté de moi, il peut prendre feu. Voilà. Et là, c'est des chapeaux. Ça évite la migraine dans le mois de janvier parce qu'il y a des gens qui viennent nous, meilleurs vœux, coup de tête, tu as vertige. Quand il y a piquant sur ton chapeau comme ça, il n'y a pas l'homme. Voilà. Alors ce soir, la lumière est. Parce qu'en décembre, maman, si la lumière ne venait pas là, les filles, là, elles nous fatiguent. Oh. En décembre, garçons souffrent trop dans la main des filles. Quand il y a lumière comme ça, c'est tout est clair, elles ont honte. Oui, parce que j'ai abordé une. Avant-hier, j'ai dit, salut, tu t'appelles comment? Elle dit, je ne dis pas. Il dit, s'il te plaît, elle dit, je ne dis pas. Il dit, ça veut dire quoi? Elle dit, ça veut dire, je vais vivre dans l'anatomie. Il dit, ma chérie, c'est anonymat. Elle dit, ah, c'est les mêmes synagogues là. Il dit, ma chérie, c'est synonyme, c'est pas synagogue. Elle dit, hé, toi là, tu cherches femme ou bien tu es venu me convertir? Il dit, c'est contredit. Elle dit, J'ai insisté, elle m'a dit, je m'appelle Sarah. Il dit, ton Sarah s'écrit comment? Elle dit, S-A-R-A. Il dit, il n'y a pas H? Elle dit, non. Il dit, il n'y a pas H? Elle dit, non. J'ai dit, va. Elle dit, pourquoi? Il dit, ça là, c'est féminin de Soro. C'est mon vieux père. Applaudissez pour la paix dans notre joli pays. Mais tu chantes maintenant, c'est pas mieux. Oui, il a chanté le morceau là, non? La partie là. Comme Arafat, lui, il a créé la Yoro Gang. Moi aussi, commandant Moriba, j'ai créé la Mori Gang. Il a ses danseurs qui s'appellent ordinateur. Petit, venez vite. Vous n'avez pas encore transport, vous direz dehors. Ils ont ordinateur. Excusez-moi, il prend la voix de DJ. Ils ont ordinateur, nous on a clavier, petit, faut brouter dans le morceau. Ra, ça, zou, transfert, prends l'argent là, tout, retrait, c'est bon, c'est brutal, il faut pas, ils vont nous attraper. Et ils ont bébé sans os, nous on a viande hachée, petit, faut faire kiosque. Ra, ça, zou, pas, oignon, tomate, assiette, Diallo, faut servir. Voilà, c'est bon. Maintenant, moi-même, il y a tué, et puis je vais aller vers ma maman, voilà, la première dame, chaque fois qu'elle est se voit, j'ai au moins 2 mois de loyer. Maman, je ne suis plus à Numambo, hein, je suis à la Riviera maintenant. Le loyer a augmenté. Kama, et mon nom. Ouais. Toi aussi, tu fais la roucascas, non? Propre même. Tu as roucascas, c'est maintenant que la vallée, tu es fort. Y'a pas de trac. Si c'est pas à l'hôpital, tu vas aller te l'opiner. T'es cassé là-bas. Dieu me. Non, ça allait, t'es fou, c'est encore. C'est Yoro qui a fait le son, hein. Mais c'est Ado qui a fait le pont. Petit mouton DJ.
DJ, c'est bon. DJ, c'est bon. C'est pas concert, c'est théâtre. Voilà, dames et messieurs, je vais dire au revoir à ma maman, on sait jamais. Voilà. Encouragez-moi, applaudissez pour moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup, maman. Vraiment, aujourd'hui, là, mon avenir. Hii. Merci beaucoup, maman. On va applaudir le magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. La photo, là, j'aime ça à l'entrée de mon quartier, ils vont me respecter. Le magnifique, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Nous, oui. Je rappelle que nous sommes en direct sur la RTI première chaîne et que nous suivons la cérémonie de lancement d'Abidjan, perle des Lumières. Et nous allons dans quelques instants accueillir celui qui, en partie, a fait naître ce concept. Il a donné à notre capitale un attrait touristique national et même international. Monsieur le PDG du groupe Sunu Sponsor officiel, j'invite monsieur Pate John sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Excellence, Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur Ahmed Barayro, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur du district d'Abidjan, Monsieur le maire d'Abidjan, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités. Tout d'abord, je voudrais m'incliner respectueusement en souvenir de nos enfants, de nos sœurs et de nos frères qui nous ont quittés dans des circonstances dramatiques l'année dernière. J'ai une pensée émue pour leur famille éplorée. Mesdames, Messieurs, lorsque en 2011, avec la bénédiction des plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire, le groupe que j'ai créé et que j'ai l'honneur de présider, Sunu Assurance, a pu soutenir et financer le projet Abidjan Perle des Lumières, dont le maître d'œuvre est une jeune et imaginative société ivoirienne, l'entreprise Apothéose. Notre seule ambition n'était alors que de contribuer au pansement des plaies que cette nation, que je porte beaucoup à mon cœur, avec beaucoup de ferveur, venait de vivre. Je voulais donc, en mettant de la joie au cœur des enfants, des femmes et des hommes, contribuer modestement à la reconstitution du tissu social, à la paix et donc à la remise au travail de tous dans la solidarité. L'adhésion spontanée et populaire des populations a justifié notre volonté d'accompagner sur 3 années le développement du concept Abidjan Ville Lumière, afin de lui donner les chances de se pérenniser. Et notre fierté et notre joie sont d'autant plus grandes qu'une telle œuvre populaire est belle et tout bénéfice pour la Côte d'Ivoire, et elle doit continuer. L'année dernière, je vous disais que j'avais comme une impression que Abidjan Ville Lumière ne s'arrêtera pas au bout de la 3e année comme je m'y étais engagé. Donc je prends devant vous l'engagement solennel que tant que je vivrai, Abidjan Ville Lumière se poursuivra. Au bout de 3 années, il nous plaît de saluer Madame la Première Dame et de vous remercier de nous avoir encouragés et accompagnés sans discontinuer depuis ces premiers moments que nous venons d'évoquer.
vous êtes en réalité la marraine d'Abidjan Ville Lumière. Et nous pensons sincèrement que les Ivoiriens en général et les Abidjanais en particulier vous en savent gré et vous adressent leur prière de vous voir continuer à assurer à Abidjan Ville Lumière votre haute et bienveillante attention ainsi que votre sollicitude. Je voudrais également adresser notre reconnaissance à Monsieur le ministre d'État, mon frère Ahmed Barayro. C'est le lieu ici, et pour nous tous, membres du groupe Sounou, de témoigner que discrètement, mais efficacement, il n'a jamais hésité à agir pour la réussite et la pérennité du projet. Nos salutations vont aussi à l'endroit de Monsieur le gouverneur Mambé, qui est devenu immédiatement l'un des piliers consolidateurs de cette ambition et depuis lors s'investit sans relâche dans sa réalisation matériellement et financièrement. En effet, en sa qualité de premier responsable du développement d'Abidjan, il a parfaitement compris tous les bienfaits économiques et sociaux d'une telle démarche que partagent plus de 85 grandes métropoles dans le monde et qui tient beaucoup de bénéfices pour les populations. Abidjan Perle des Lumières est un excellent exemple de partenariat public-privé. Nous tenons à le souligner. Et cette démarche qui exige que chaque partie joue bien et pleinement sa partition doit continuer. Nous saluons à cet égard l'ouverture constante du district et du gouverneur vis-à-vis de cette démarche et qui est de notre point de vue le gage de la pérennité voire de la sanctuarisation de ce projet culturel, touristique, économique qui est Abidjan Ville de Lumière. Ne nous y trompons pas car le chantier reste immense et nous n'avons plus le droit de reculer ni d'échouer et nos populations qui sont exigeantes ne le comprendraient pas. Nous remercions également M. Noël Benjo, maire de la commune d'Abidjan, dont le soutien et les encouragements ne nous ont jamais manqué. D'ailleurs, sans lui, le projet n'aurait jamais vu le jour, parce qu'il a été le premier à marquer son accord. C'est l'occasion pour nous ici d'inviter et d'encourager fortement l'ensemble des opérations économiques ivoiriens, privées ou privées, à nous rejoindre pour une mise en commun des moyens au profit des populations ivoiriennes. Nous devons faire confiance au professionnalisme et aux compétences organisationnelles de la société Apothéose qui nous tenons à le féliciter pour une fois aussi publiquement en notre qualité de sponsor officiel. Nous saluons l'arrivée de la société MTN qui accompagne spécialement le projet Île Enchantée, parrainé par notre prestigieuse fondation Children of Africa que préside Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire et qui est une innovation pour l'édition 2013. Je ne voudrais pas oublier les sociétés Fraternité Matin, Radio Jam et la RCI qui nous en profitons pour leur souhaiter leur 50e anniversaire. Enfin, tout ceci n'aurait pas été possible sans l'entreprise Castros, l'entreprise portugaise qui nous a